Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te confions cette soirée. Nous sommes là, nous sommes venus, nombreux, pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous sommes venus nombreux parce que nous avons besoin de toi aussi, énormément. Et ce soir, nous voulons nous remettre à toi. Nous remettre à travers ces chants, te dire les choses que nous avons à te dire, les choses profondes, les choses intenses, les choses qui nous occupent, qui nous préoccupent. Nous sommes venus te les porter, les déposer ce soir. Et nous sommes venus attendre quelque chose de toi. Fais grandir encore en nous la soif et emmène-nous dans les profondeurs de ton amour. Fais-nous découvrir qui tu es. Fais-nous te rencontrer. Fais-nous vivre par ton esprit. Nous t'en prions. Go.
Qui sera contre nous?
chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Oh, Jésus.
Bonsoir, chers frères et sœurs. Je ne sais pas s'il est nécessaire que je me présente. C'est le Père Laurent Sounouvou de la paroisse du Monde des Es. Le thème, mon pote, acquérir la maturité spirituelle. Et moi, je dirais accroître sa maturité spirituelle. Accroître sa maturité spirituelle, car comme nous l'avions vu tous ces temps-ci, le Seigneur a mis en chacun de nous quelque chose. Et comme nous le voyons dans les évangiles, personne n'est dépourvu du don de Dieu. Nous avons tous reçu une grâce. C'est important de le souligner parce que c'est ce que nous avons que le Seigneur fera croître notre maturité. Mais la maturité spirituelle relève du domaine de la discipline. De la discipline, la foi elle-même doit être disciplinée. Il faut avoir une foi disciplinée. Donc, pour avoir une maturité spirituelle, il faut être discipliné. Il ne faut pas être désordonné. Donc, accroître la maturité spirituelle relève du domaine de la discipline. Comme un athlète qui se prépare à la compétition, vous voyez plus souvent quand les athlètes se préparent pour la compétition, ils se donnent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitamines. Ainsi, le chrétien doit travailler pour sa performance spirituelle en vue de gagner le salut de son âme. Le point de mire ici, c'est qu'il faut toujours viser le salut de son âme. Mais comment travailler à la croissance de ma vie spirituelle? Aujourd'hui, l'Église, dans la liturgie, célèbre la présentation de la Vierge Marie. Et la présentation de la Vierge Marie est le don de soi. Donc le premier pas vers la maturité spirituelle, c'est donner sa vie à Jésus. C'est le don de sa vie. S'abandonner complètement à Jésus. Si je ne fais pas le don, si je ne donne pas ma vie, je ne peux pas grandir. Il ne s'agit pas de donner sa vie comme on fait don d'un cabri en tenant la corde. Il faut tout donner. Il faut complètement s'abandonner à Dieu, accepter Dieu dans sa vie. Seigneur, je t'offre tous les compartiments de ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre le contrôle de tous les sens de ma vie. Mais je ne dis pas de donner sa vie à Dieu en disant « Oui, je viens travailler sur la paroisse, je viens donner un peu de mon temps. » Il ne s'agit pas de ça. Ou bien « Je viens chanter, j'ai déjà fait don de ma vie. » Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de donner sa vie à Jésus, adhérer à Jésus. Vous savez, il y a pas mal de personnes qui gardent encore des choses
du passé. Peut-être que c'est les parents qui nous ont confié ceci. Ou bien on nous a donné telle ou telle chose concernant la tradition. Ombre et lumière ne peuvent pas rester ensemble. Vous ne pouvez pas garder une chose de la tradition et dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Non. Il est de plus en plus fréquent de savoir que des gens, des choses, des gens, des choses chez eux. Et pourtant, ils sont dans l'église. Vous n'avez pas donné votre vie à Jésus en ce moment. Donner sa vie à Jésus, c'est se débarrasser de tout ça. Une vraie adhésion, une vraie adhésion. Mais donner sa vie ne veut pas dire qu'on ne tombe pas dans le péché. Parce que le péché fait partie du combat. Le péché fait partie du combat et c'est un combat, ce n'est pas un combat pour 10 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pour toute la vie. Consacrer sa vie à Jésus. Le don de sa vie est le premier pas vers la libération. C'est le premier pas vers la libération. Donc, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus comme baptisé, j'ai donné ma vie à Jésus comme confirmé, j'ai donné ma vie à Jésus comme marié, j'ai donné ma vie à Jésus comme célibataire. Je donne ma vie à Jésus, lui, il est le premier dans ma vie. Mais le don de sa vie porte des privilèges. Il porte des privilèges. C'est clair. Mais des privilèges qui portent en soi des sacrifices. Je suis prêtre. Il y a des privilèges comme prêtre. Il y a des privilèges comme marié. Il y a des privilèges comme baptisé. Je suis évêque. Il y a des privilèges attachés à mon état de vie. Ça, c'est sûr, Dieu. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et Jésus te laissera ainsi. Dieu ne te laissera pas. Il est avec toi en toutes choses, en toutes circonstances, il sera avec toi. Mais les privilèges portent en eux-mêmes un sacrifice. Et le premier sacrifice, c'est l'appel à la conversion. C'est l'appel à la conversion. Et comme je l'ai dit, le don de sa vie ne veut pas dire que je donne 1 heure de mon temps à Jésus. Et non, mais Jésus doit être ma priorité, que ce soit au boulot, que ce soit à l'église. Le fait de donner, de venir donner un temps, un peu de son temps à l'église, c'est la conséquence du don de ma vie. Je suis dans la chorale, c'est parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà la conséquence. Je me mets au service de Dieu. Donner sa vie à Jésus relève aussi du renouvellement de sa promesse baptismale. J'ai dit non à Satan. J'ai dit non aux œuvres de Satan. Et faire un retour sur chaque sacrement. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans l'église, qui viennent et qui viennent tous les dimanches. Ils sont bloqués par telle chose. Ils ne peuvent pas aller à la table sainte. Ils sont bloqués par telle ou telle chose. Ils sont dans... Il faut progresser.
se rappeler, se renouveler, renouveler les promesses de mon baptême, de l'Eucharistie, la confession, le sacrement de mariage. Renouveler, à chaque sacrement, il y a une promesse à faire. Il faut toujours réchauffer ses promesses. Donc, après le don de sa vie, le don de sa vie appelle la conversion. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est une conversion totale. Un homme nouveau, un homme complètement nouveau. Et que nous dit Marc chapitre 1, verset 15, nous dit, le temps est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est proche. Tu n'as pas assez de temps dans cette vie. Tu n'en as plus assez. Convertis-toi. Et accepte la bonne nouvelle. La conversion est en effet l'œuvre de toute notre existence. Se convertir, c'est se détourner de toutes les choses toxiques. Je ne vais pas les citer ici, chacun peut savoir ce qui est toxique à sa foi. Parce que nous sommes dotés de l'intelligence, de la raison, nous avons des facultés pour comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc ce qui est toxique, c'est se débarrasser. C'est un combat de tous les jours. Ce qui m'enferme, ce qui me rend, ce qui me retient dans la prison de mon corps. Se détourner pour aller vers, se détourner pour faire face à Jésus, pour regarder Jésus face à face et soulever la tête. Mais de quoi faut-il nous détourner? Et où Dieu nous attend-il? Vous avez vu le peuple hébreu? Ce peuple a été choisi. Et ce peuple a connu la traversée du désert. La conversion, c'est la traversée du désert. Pour aller vers la terre promise. La conversion, c'est la traversée du désert. Et ce n'est jamais acquis, la traversée. La conversion, c'est toute la vie, toute notre vie. Mais si vous ne renouvelez pas les promesses, et lorsque nous sommes au milieu des tentations, dans le désert, la vie n'est pas belle dans le désert. Dans le désert, la vie n'est pas belle. C'est un dépouillement total. Et lorsque nous sommes au milieu des tentations, lorsque nous éprouvons que nous ne sommes pas meilleurs que nos pères et que nous nous sentons écrasés, que nous nous sentons, c'est en venant ici tout à l'heure, le micro fait la même chose que ma voiture. Ma voiture a refusé de démarrer. Bon. Je dis, ben ça y est. Alors lorsque nous sommes au milieu des tentations, lorsque nous éprouvons que nous ne sommes pas meilleurs que les autres et que nous nous sentons écrasés par le poids de nos péchés, et de nos multiples infidélités, lorsque nous sommes découragés, à bout de force, dans notre marche pénible et difficile vers la sainteté, lorsque nos efforts de conversion et notre lutte pour nous conformer au Christ semblent stériles et ne modifient rien à notre existence, il faut maintenant prendre une décision.
Il faut prendre une décision. Il faut que faire? Il faut prendre une décision. Quand ça ne va pas, il faut maintenant faire un examen de conscience et se poser les bonnes questions. Que faire? Que faut-il faire? Il faut se mettre en route à travers le désert. Il faut se mettre en route. Se mettre en route, c'est choisir la bonne direction. Parce qu'il y a plusieurs chemins. Choisis la bonne direction pour rejoindre la montagne de Dieu. Se mettre en route à travers le désert pour rejoindre la montagne de l'Alliance que nous avons bafouée. Et l'Alliance, c'est le sacrement, c'est le pas, notre promesse avec Dieu que nous avions bafouée. Et si vous voulez, les grandes figures de la Bible ont eu toute leur traversée du désert. Moïse et le peuple hébreu. Pendant 40 ans, le peuple tombe, se relève, a mangé dans le désert, a mangé n'importe quoi. Ce n'est pas, c'est pas le bon repas que tu trouveras dans le désert. Mais quand on prend une décision, on prend les âmes qu'il faut et puis on va résolument. On monte. Si vous avez fait la montagne Pelée, vous voyez, tu peux même marcher avec les fesses. Mais c'est ça la foi. En faisant la montagne Pelée, tu peux même marcher avec les fesses. Tu peux descendre avec les fesses, les genoux, les pieds debout et tout ça. C'est ça. Moïse et le peuple, 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Avant la terre promise. Élie également. 40 jours jusqu'à aller à la montagne de Dieu, sur l'Horeb. Et Jésus-Christ lui-même, pour commencer sa mission, fait 40 jours dans le désert. 40 jours, 40 nuits. Élie, 40 jours, 40 nuits. Moïse avec le peuple hébreu, 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Si tu n'es pas mûr à 40 ans, c'est que c'est fini, tu n'es plus mûr. Alors tout ce peuple, tout ce monde-là, et Jésus lui-même 40 jours dans la solitude, dans le jeûne, dans la contemplation silencieuse et dans la prière. C'est une décision, et que je vous l'ai dit au début, c'est une discipline. Accroître la maturité, revenir sur ses pas, rentrer dans le désert. Prendre une décision, décider. Et aller dans le désert. Jean-Baptiste, pour l'efficacité de sa mission, s'est rendu au désert, dépouillé de tout. Accroître la maturité, c'est la longue marche vers le désert de la conversion. Dans la vie, il faut progresser. On ne recule pas. Dans la vie, il faut progresser. Forcément, il faut que j'avance. Il faut que je me dise chaque jour, il faut que j'avance. Ce trajet est libérateur pour moi. Il faut se donner les moyens. Il faut avoir une discipline de vie. Il faut prier. Il faut aller à la messe. Il faut aller à la confession. Il faut revivre son sacrement. Il faut revivre les sacrements. Le jour de ta première communion, la joie éprouvée ce jour-là, il faut aller retrouver cette joie-là. Le jour de ta confirmation, la joie éprouvée, la joie reçue de Dieu, il faut retrouver cette joie. Le jour de ton mariage, même si cette joie est éteinte, offre ton existence.
Parce qu'au ciel, les anges ne se marient plus. Maintenant, il t'appartient de te marier avec Jésus. Que ton âme épouse Jésus. Si tu as des difficultés à épouser les hommes, il faut que ton âme maintenant épouse Jésus. C'est ainsi que Jésus s'assoit dans ta vie et prendre possession et prendre autorité sur ta vie. Mais parce que le don de sa vie, comme je l'ai dit au départ, qu'on le veuille ou non, à la fin de ta vie, ça revient à Dieu. Ta vie revient à Dieu. À ta mort, on va te ramener à l'église, à prier encore à Dieu. Donc, c'est pourquoi il faut que notre âme épouse Dieu. Il faut que mon âme épouse Dieu. Si je n'arrive pas à vivre cette épousaille avec un homme, mon âme va épouser Dieu. Vous voyez, avec Dieu, quand ton âme, quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est Jésus qui contrôle ta vie et qui donne sens à ta vie, qui dit ce qu'il faut faire. Et que tu te laisses guider, c'est lui qui va pourvoir tout ce qui manque à ta vie. En ce cas, Jésus est pourvoyeur de don et de grâce. Mais c'est un voyage intérieur. La maturité intérieure, c'est un voyage intérieur. Ça n'a rien à voir avec le physique, c'est un voyage intérieur. Se faire une personnalité à l'image de Jésus-Christ. Le voyage, tout chrétien est appelé à parcourir au cours de sa vie ce temps de désert. Il y aura des moments de désert, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas le nombre de valeurs, le nombre de talents que tu aurais eu pendant toute ta vie qui compte. Mais mets-toi avec Jésus. C'est un voyage parce que Dieu prend tout son temps pour conquérir ton cœur. Dieu prend tout son temps. C'est un travail de longue haleine. Dieu prend tout son temps. On a vu le peuple hébreu qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève jusqu'à la terre promise. C'est un travail avec Dieu. C'est un travail avec Dieu, mais il ne s'agit pas de lutter contre Dieu. Il s'agit de se laisser diriger par Dieu complètement. Et Dieu te prépare à la nouvelle alliance avec lui. Quand on prépare les gens au sacrement de mariage, on prend le temps de les préparer. C'est ainsi, Dieu prend tout le temps avec toi. Et comme je l'ai dit, cette traversée se fait avec les sacrements. C'est un cheminement de la foi. La foi est le roc sur lequel l'homme bâtit ce qu'il y a de plus intime dans sa vie. Construire sa vie. Ça devient une construction. Je construis ma vie. Je cherche le sable, je cherche la pierre, je cherche les cailloux, je cherche le ciment, je cherche de l'eau,
le plombier. Alors, c'est toute une construction. Et puis, les choses sont mises étape par étape. Étape. Dieu marche avec nous étape par étape. Comme la croissance d'un enfant, étape par étape. Et il faut avoir la patience avec Dieu. Étape par étape. C'est clair qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Je reviens sur ça parce que vous ne pouvez pas avoir de résultats si vous prenez des choses qui ne sont pas compatibles avec Dieu, vous les mettez ensemble, il n'y aura pas de résultats. Il n'y aura pas de résultats. Ce n'est pas une question de l'à peu près. Ce n'est pas une question de l'à peu près. Il n'y aura pas de résultat. Mais je ne vous dis pas d'être saint sur la terre. Mais cette traversée se fait avec les sacrements. Avec les sacrements. Mais ce qui n'est pas compatible, tu n'adoreras pas le veau d'or. Ce n'est pas compatible. Tu n'auras pas de vieux livres chez toi. Si tu en as, il vaut mieux t'en débarrasser tout de suite. Tu n'auras pas de... Ce n'est pas du tout compatible, ça ne marchera pas. Il ne s'agit pas de demander la messe ici et d'aller voir de l'autre côté. On va faire la messe. Dieu va faire pour lui, les autres aussi vont faire pour lui. Ça ne marchera pas. Seule la foi sauve. Et la foi nous conduit à la prière. La foi nous conduit à la prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et vous voyez, la foi qui te conduit au dialogue avec Dieu, parler avec Dieu. Parler avec Dieu. La foi te conduit à l'assiduité dans la prière. C'est ça qui te permet d'être vigilant. D'être vigilant, d'éviter les pièges. C'est ça qui te conduit à l'action de grâce. C'est ça qui te conduit à reconnaître Jésus dans la petite hostie. Pour dire Jésus est présent. Sinon, tu vas prendre comme un petit pain. Comme les enfants du quartier, tu vas prendre ça comme un petit pain. C'est la foi qui te dit que Jésus, je viens de prendre Jésus. C'est Jésus que j'ai pris. C'est Jésus qui est en moi. La foi est ta lampe qui te permet de voir clairement sur la route, dans l'obscurité. C'est la foi qui te permet de reconnaître Jésus. Oui, Jésus m'a parlé. L'Esprit Saint m'a parlé. Le Seigneur m'a dit de ne pas faire ça. L'Esprit m'a dit d'être vigilant. L'Esprit Saint m'a dit de ne pas sortir. Jésus m'a dit de faire ceci. Jésus m'a dit non, de ne pas faire ça. C'est la foi des gens. Le début de la conversion est toujours marqué par cette question. Que faut-il faire? Qu'est-ce que je dois faire? Que faut-il faire? Cette question aussi, vous voyez, il y a beaucoup de saints. À la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, on a posé cette question à Pierre. Qu'allons-nous faire? Que faut-il faire? Eh bien, convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle.
À Jean-Baptiste, on va poser la même question. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans cette situation. Que faut-il faire? Voilà la question. Que faut-il faire? Je suis dans telle situation. Quel Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Te donnera la réponse. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Dans le Jourdain, on a posé la question à Jean-Baptiste. À Pierre, le jour de la Pentecôte, Paul, sur le chemin de Damas, a posé la même question à Jésus. Mais avant de lui poser la question, il dit, mais qui es-tu? Et Jésus lui a dit, c'est moi que tu persécutes à travers mes frères. Et ensuite, il va dire, maintenant, que faut-il faire? Et le Seigneur lui dira, va voir Anani, va faire ceci. Que faut-il faire? C'est un début, une autre étape de la conversion. Le don de sa vie, n'oubliez pas hein, les étapes. Hein. Je fais don de ma vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire. Je fais don de ma vie d'abord. Et je marque, qui est marqué par le, par la conversion. La conversion porte en soi un sacrifice. Le sacrifice, il faut sacrifier. Rentrer dans le désert avec Jésus. Il faut suivre les pas de Jésus dans le désert jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection. Le désert vous conduit à la terre promise. Le désert de Jésus le conduit au début de sa mission, mort sur la croix, et puis après, la résurrection. Ce qu'il faut demander ce soir à Jésus pour ce Jéricho, c'est demander la grâce de la guérison de son corps. Demander la grâce de la guérison de son corps. Et fais don de ce corps-là à Jésus. Seigneur, guéris mon corps pour que je puisse me donner à toi totalement. Que ces paroles trouvent place dans nos cœurs. Amen. Le texte que nous avons eu à méditer aujourd'hui nous parlait du Seigneur qui est l'Esprit. Seigneur Esprit Saint. La Bible dit que nous sommes transformés, renouvelés par l'action du Seigneur qui est l'Esprit. Petit encore par la puissance du Seigneur qui est l'Esprit. Ce n'est pas une coïncidence. Non plus que le prochain chant qui vient est une invitation à une effusion de l'Esprit Saint. Donc, comme Pierre disait, on va donner notre vie à Jésus et on va inviter l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous renouveler dans
les sacrements que nous avons reçus. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Et Jésus dit un peu plus loin, Luc chapitre 11. Mon Père donnera l'Esprit Saint à tous ceux qui le lui demandent. Alors, la position que vous voulez prendre, vous la prenez. Les yeux fermés, ouvrez les mains. Si vous voulez juste recevoir un cadeau, quand on veut recevoir un cadeau, on vous met à genoux ou debout, quelle que soit votre position. C'est votre cœur qui compte. Ouvrez juste vos mains, fermez les yeux, ne regardez pas votre voisin. Aujourd'hui, c'est vous et Dieu. C'est vous et Jésus. À la page 35. Esprit Saint.
Touche-nous par ton Esprit Saint, renouvelle, raffermis-nous, raffermis-nous, rafraîchis-nous de cette douce rosée, cette rosée de l'Esprit Saint. C'est maintenant, maintenant, t'attendons, Seigneur. Esprit Saint, vois nos cœurs, vois comment nous sommes disposés à te recevoir et remplis-nous d'un feu nouveau. Un feu nouveau pour Jésus, une ardeur nouvelle, un zèle nouveau. Esprit Saint, Esprit du Seigneur, c'est maintenant, 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 maintenant. Viens, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Aliama sente que liama chile de kumbio bal. Il y a mede de kumbale la bachile de kolo de kumbia bala la bassente que liama chile de kolo de kumbia masse. Solo lo lo wana machile de kontro via masse. Ceux qui peuvent prier en langue, allez-y. Laissez monter ce don que Dieu vous a donné. Dokolio mata kana machi de kere de kumbariam de kere de kolo de kumbala la machi. Ne regardez pas votre voisin, juste exprimez ce don. Laissez la kala basse de koto a de kere de ouverche. Yumi amaso kumi amaso. Tous ceux qui prient en langue, vous pouvez continuer à prier. Ceux qui ne prient pas en langue encore, laissez monter en vous ce langage. Laissez monter en vous ce charisme de l'Esprit Saint. C'est maintenant, 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 au nom de Jésus. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, laissez monter ce don, laissez monter son langage. Soyez baptisés, soyez baptisés, soyez fusés du Saint-Esprit. Solo colodo manala machi, di calama si di bichela calama, solo toko miyama si. Solo colodo comiyama sa da calama chi. Serie de colo condo miyama sa. Oui, vous avez ça en vous, vous avez ça en vous. Laissez monter, laissez monter, laissez monter, laissez monter. Sokolio malala calama chi, di condo miyama da calama si. Merci Esprit Saint, fais ton œuvre, accomplis ton œuvre pour la plus grande gloire de Jésus. Transforme nos vies, viens purifier, viens brûler tout ce qui n'est pas de Jésus. Il n'est pas possible de cohabiter, il n'est pas possible d'avoir Jésus, d'avoir un âme. Aujourd'hui, fais le tri, fais le tri, fais le tri, fais le tri. Apporte la lumière dans les ténèbres. Transforme, restaure, baptise d'un feu nouveau, d'une nouvelle lumière, d'un nouvel amour pour le Christ. Baptise ton peuple ici rassemblé. Baptise ton peuple, Seigneur. Baptise ton peuple. Salamashi, décolle de Kumbarabashi. Sede de Kumbarabashi. Sede de Kumbarabashi. Solo Kumbarabashi. Sidiyeme de Karamasu. Maintenant,
C'est maintenant. Ils sont ouverts. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Que ta gloire touche la terre. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Que les cieux sont ouverts. Merci, Esprit Saint. Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. En cette nuit, nous voulons complètement nous abandonner à toi. Fais don de notre vie. Fais don de tous les compartiments de notre vie à toi. Nous voulons que tu viennes prendre autorité sur notre vie, sur le sens de notre vie. Le sens de Jéricho, c'est de faire tomber les chaînes. Viens faire tomber les chaînes qui nous rend prisonniers, qui nous lie au monde de Satan. Viens enlever ces chaînes par ta force et la puissance de ton Esprit Saint. Viens nous purifier, viens nous sanctifier. Viens nous régénérer. Rends-nous forts contre le mal. Viens nourrir notre vie de ta parole et de ton amour indéfectible, de ta miséricorde de tous les jours. Et tiens-nous par la main, Seigneur. Chaque fois que nous tombons, relève-nous, Seigneur. Car sans toi, notre vie est en ruine. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous te faisons confiance, Seigneur. Comme tes fils, aux côtés de ton fils Jésus-Christ, nous nous tenons pour mériter l'héritage du règne, de ton règne. Rends-nous capables. Là où nous ne sommes pas capables, Seigneur, rends-nous capables. Les domaines dans lesquels nous sommes faibles, Seigneur, rehausse notre vie dans ces domaines. Tends-nous la main, Seigneur. Tiens-nous par ta main, Seigneur. Garde nos regards fixés sur toi, Seigneur.
Donne-nous de faire cette traversée avec toi. Protège-nous de tout mal, de tout danger. Dirige notre vie. Vers ta patrie. Et oui, Seigneur, nous sommes faibles, fragiles, vulnérables. Sans le soutien, sans ton soutien, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes forts. Nous voulons te renouveler, Seigneur, notre foi. Nous voulons renouveler notre foi. Nous voulons renouveler notre promesse baptismale. Nous voulons rejeter le mal. Et nous le rejetons déjà, Seigneur. Donne-nous la grâce du témoignage. De témoigner par toute notre vie. Et d'étendre ton règne dans nos familles, dans nos maisons, dans nos rues, dans nos lieux de travail, dans nos églises. Brise les chaînes de l'esclavage. Seigneur, tu sais, notre société est envahie de mauvaises orientations, orientations de mauvaise sexualité, de l'homosexualité. Nous te confions la jeunesse, Seigneur. Nous te confions tous nos jeunes frères. Fais entendre dans leur cœur ton appel à la conversion. Chemine avec ton peuple en Martinique. Donne-nous de toujours accueillir ta parole. Comme lumière sur nos pas. Oui, ne nous laisse pas, Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous laisse jamais. Ne permets pas que nous regardions ailleurs. Garde nos regards toujours fixés sur toi, sur ton Fils Jésus-Christ. C'est par le sang de la croix que nous avons eu le salut. Garde-nous dans la recherche du salut de notre âme. Sur le livret, à la page 14. La louange de David. Je t'exalte, roi, mon Dieu. Je t'exalte.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À la page 16, le psaume 91. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart,
Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. À la page 64. Nous vous le demandons humblement, souveraine maîtresse des anges. Le pouvoir et la mission des grâces.
Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Jéricho, jour 2.
préparez-nous, Jésus.